Salut, comment nous? J'espère que nous sommes tout en forme. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous pour venir parler de football. Parler de football, c'est parler de football haïtien et de joueurs haïtiens qui peuvent voler national et international. Je dis à la, je parle pour une petite nouvelle pour nous dans affaire football là. Je parle pas de sélection nationale là. Je parle pour un petit parler de World Cup là. Un petit parler de World Cup là. Et tout, je parle de quelques anecdotes qui ça qui fait football là, qui n'a état aujourd'hui en lié là. Écoutez, il faut que tu parles de Souke, Woodson qui va participer dans le live là, qui baille en vérité, et son vérité qui a casé le football là depuis longtemps. Il faut que tu parles de tout ça. Nous parlons de football et de ce football haïtien. Il faut que nous-mêmes gagnions un consensus qui fait, qui doit prendre pour que le football ça lui-même est capable de développer, pour être capable de recommencer en Haïti. Bam, et c'est pour la première fois que je suis allé parler uniquement des footballeurs haïtiens, de joueurs haïtiens qui ont pu voler national et international. Bam, commencer avec Sam avant que m'entrer dans l'initiative, ça me parler directement parler de joueurs haïtiens des sélections. Je parle de footballeurs haïtiens en premier. En premier, qui ça? Footballeurs haïtiens, nous, qui n'a été à la Jodian, il gagne plus que ce qui n'a été à ça, gagne 3 ans là, qui pas joué. Hein? Si on travaille qui commençait, qui a plus que 20 ans qu'il commençait. Je connais que m'entraîner dans le football haïtien, je commençais à parler de football haïtien depuis 2000, 2006. Novembre 2006, je commençais à entrer dans le domaine journalistique, je commençais à parler de football haïtien. M'entraîner plus fond, c'était en 2010, là, ça me vient gagner autonomisme dans les affaires de football. Je commençais à gagner une sorte d'habilité, puis je suis capable de parler de football beaucoup plus bien, avec beaucoup plus d'aisance, avec plus comprendre monde tout, chercher comprendre tout, chercher contact tout, jouer football en dirigeant, tout ça commencer à parler ensemble avec eux. Mais c'était beaucoup plus, et la caille, moi, j'ai commencé à faire ça. Pas de gain, et pas de gain, réseaux sociaux, pas tellement, gens qui lisent aujourd'hui, hein. Et puis contact, pas aussi facile, j'en te compte gain. Comme ça, tout le monde prend un pile, jouement, tout, non, mais quelques gens, quelques dirigeants football, plus particulièrement la Gonave, football la Gonave, par exemple, tout, et qui était dirigeant ou l'ado. Mon grand mépris dans la barrière pour football. Pour le que m'a dénoncé ça qui pas bon dans football. Là, il y a qui ont dit, mettez au dehors parce que monsieur ça, mais n'est que ça pas jamais parlé en faveur. Parce que m'a pas parlé des dérives qui ont passé dans l'équipe ça. Je dis à nous que nous pas gagné Oulado qui dans la première division. Oulado est juste dans la deuxième division. Ça veut dire que m'a pas parlé d'équipe ça longtemps. M'a pas défendu cause football. M'a quitté tout, m'entrer. Et je viens aux États-Unis là, moi a fait ça, je continue avec ça, je ne peux pas camper. Je ne peux pas camper non, parce que j'ai un rêve pour le football là. Parce que Européens ne peuvent pas parler de football moi. Américains là, bon, là dans les États-Unis, ou pas gagner droit ouvrir une radio qui gagne, qui t'a gagné qui a fait sport, soit ou non télévision, ou à regarder, y a parlé de football haïtien. Ou Canada, ou en France, ou pas qu'attendre un journal à parler de joueurs haïtiens. Pourtant, un journal à parler de joueurs haïtiens parce que la joue en première division française, les fait un bagage. Mais parler de développement football en Haïti, ou à venir ça, c'est vraiment complètement difficile pour te dire ça. Nous-mêmes, nous, 80, toute radio en Haïti, tout n'est qu'à faire sport sur Internet, là, tout n'est qu'à parler de Real Madrid, vous parlez de Barcelone, y a tout simplement, ouais, intérêt par eux pour vous faire l'argent, pour mettre dans la prochaine, un problème ensemble avec eux. Moi-même, tout, je ne fais pas maintenant m'entrer directement, me faire football haïtien. Ou après, lui, rarement, ou après, plus de monde qui l'a, pas tellement, et abonné à ma chaîne là. Et quand vous mettez un bagage haïtien, c'est seulement les qui ont une grande activité, qui ont une sélection, qui ont une activité, qui sont venus sous ça. On prend mon yo vini sous ça les après gain tout qui si sélection par rapport en activité si me font vidéo là quand même gain 1000 vues sur lui ou 2000 vues par rapport que mon yo tout simplement atteindre résultat travail là mais ou pas chercher comprendre comment pas travail là sorti pour nous joindre résultat que nous joindre aujourd'hui m'attend de soccer qui c'est résonantiel nous qu'on t'a dit parler yo monsieur soccer participer dans l'émission avec Murat, si son ancien et Koski Saint-Ville, ou pas quelques autres Mexicains qui participent dans et Coach Etienne qui participent dans l'émission ça, sur Internet là, il fait sur Facebook. Il y a pas des problèmes football là gain aujourd'hui, hein? Mais au grand bagage que moi monsieur a défendre dans football là pour moi qui vraiment difficile. Ce qui pas doué ça. Mais c'est au grand campagne qui a mené, campagne que dit qui était non joueur international là.
pour nous pas chita prendre un joueur international pour nous prendre un joueur local. C'est vrai que il y a un paquet de joueurs internationaux qui entrent dans qui entrent venir jouer pour Haïti qui pas gain niveau. J'aime toujours dire là, gain deux joueurs n'a prendre pour chouchou là. Bon on va dire ça très clair, au capable gain fabriquer problème ensemble avec moi. Nazon nous présenter comme chouchou. Nazon passé dans plusieurs ou pas prendre Nazon pas passé dans plusieurs clubs qui pas jamais kembel. C'est parce que il pas gain niveau. Il pas gain niveau. Nazon font coup bon, un coup bon, les jeunes font coup bon et puis il fait quelques coup bon. Nous prenons comme chouchou aujourd'hui, hein, li calé comment li camper, li salambé nous bien salambé, bien salambé. Et là comme on a parlé de football haïtien pour la cité des joueurs qui passent dans football haïtien, des joueurs de cadre qui passent dans football haïtien qui portent pour la sélection ça, Nazon ta doit même si Nazon ta gain tout problème avec le peuple, il ta doit payer. A fait, il y a des bagages que nous pas doué, même si ça j'en m'a dit non, nous pas doué chita sous ça. Qui ça? Wilson Amsel, qui fait connaître, qui était connu les soccer, monsieur dit comme ça que lui-même, l'équité, me connaît en 2015, dernière fois que l'équité sélection, les après, il a pas travaillé pour la communauté qui a la Coupe América Centenario, il a pas conservé lui, il était sur un attaquant tout, qui était vraiment intéressant. Monsieur a parlé que, des fois, lui, qu'on a goûté pour que même chaque week-end pour autant d'elle. Et monsieur était content d'elle vraiment dans l'aigle noir. Et son aigle tout, qui était content de faire petit goal et tout, et qui était vraiment intéressant. Qui ça? C'était pour structure, MK de structure qui était dans la fédération, hein, qui crase en pile joueur football là, joueur football là, vini États-Unis, c'était seulement travail pour visa. Comment travailler pour visa? Ou vin là, ou vin yon a bon visa, ou jouen visa nous fini ensemble avant, ou pas payer, ou pas gen payer, ou soit tout, si quoi yon qu'on a proposé joueur li pas gen envie tout pour le tourner dans la sélection, pour le tourner dans le pays. Ça veut dire que, structure que vous cap qui dans le football aujourd'hui, là, si que nous pas goumen, nous tout mettons ensemble pour nous retirer football dans l'Italie là, dans 2 ans kap vini encore, nous mettons retirer comme nous avons football là. Et tout, les critères que vous demandez pour nous-mêmes, nous avons un club en Haïti qui est près de 20 pour nous jouer au championnat. Jusqu'à présent, aucun club pour vous chita pour nous faire. Faut que vous ayez un entraîneur professionnel, ça qui est primordial. Faut que vous ayez un bureau qui représente un secrétaire général. Faut que vous ayez un attaché de presse. Faut que vous ayez un agent de sécurité. Faut que vous ayez un statut qui est légal qui dit club qui signe par un monde qui est un notaire qui reconnaît. Faut que vous ayez yon entraîne yon gagne yon en football équipe jeune n'avait dit ni ti fi ni ti garçon ti équipe i 14 i 17 faut ni nan fi ni nan garçon faut un senior ça avait dit c'est bon bail qui simple faut que yon gagne j'aime de yon bureau fédéral avait dit un côté on adresse yon connaissez loyer là faut gagne au moins faut gagne 12 nan 20 critères pour là faut gagne n'importe à 12 à 14 qui doit respecter. Faut que joue à un contrat professionnel, faut que ligue une licence professionnelle tout pour reconnaître que ça pour nous capable faire championnat. Ça veut dire que pour pas faire foot, pas faire football et puis on n'a pas capable passer dans football en Haïti. Nous monde en Haïti yo plus investi dans l'autre bagarre parce que nous pas gain club, nous pas gain institution, tout simplement nous gain équipe football, c'est équipe football, nous équipe vacances, nous que doit quand on est libre mon petit club pour équipe vacances, c'est tout simplement c'est équipe vacances nous gain. C'est seulement deux clubs d'entendre qui capable de répondre avec critères ça qui est dans la fédération haïtienne de football et imposer fédération haïtienne de football imposé à qui c'est Violette avec ça Violette encore Don Bosco qui t'a gon l'autre encore et pour ta troisième notaire c'est un club haïtien trois clubs ça seulement qui t'a répondre pour que yo même yo camper pour ta dans critère ça yo après ça tout l'autre club tout club qui pour dadou yo yo camper au créneau tout club qui pour dadou yo puis technicien bala yo ne pas blé chita sous table là pour yo capable sortir football dans jali même si ou t'a de gain pour dadou mais moun ki là c'est moun dadou que même si ou t'a levé contre dadou c'est moun qui dadou mette yo 10 15 20 ans là si dadou te gain 20 ans dans fédération yo même yo gain 10 yo gain 15 moun ki la yo ki tout prend Monique André ki tout prend Ekalo Maslin ki tout prend Yves Sever ki tout prend moun ki a géré en de fédération que nous pas connait non yo ki pas non pas sorti pour nous ta dit monsieur 10% pour nous ta prend monsieur 10% Patrick Massena tout nèg ça au Sénégal c'est ça c'est mettre seigneur dans football là en pile causé on va aller directement de ça me vient dit nous on l'autre parle encore d'après en pile observateur journal français yo et puis nous même tout nous capable observer là Tabita
Tabitha Joseph, Tabitha Johnny Joseph, c'est ta nouvelle coqueluche, c'est ta jeune joueuse pour nous capables de suivre la Coupe du Monde par rapport avec technique. N'après ça, vraiment, et nous, dans le match football, on fait n'importe 3 à 4 montées et que montées sont très intéressantes, montées pour être en pile bagaille. L'autre, il y a deux joueuses dans cette équipe qui sont capables de monter vraiment intéressant, qui ont commencé travail, qui était vraiment venu bon dans balle au pied, en parlant de Claire Constant qui blessé et Ouvengen Johnny qui t'a fait ça même genre. Là, il y a deux défenseuses qui sont capables de faire travail ça, qui ont assez de lucidité, qui sont capables de monter avec ballon pour créer sur nos blancs. C'est sûr et certain que l'IPA pas fait pour le perdre du ballon, mais elle fait avec technique pour le capable de faire tout ça pour le faire, pour le capable de créer sur nos blancs et créer sur nos blancs sur l'autre équipe, joindre ouverture pour l'autre joueur qui va venir pour nous faire goal. Si nous gagnons, si le Québec comme ça, avec solidité que nous gagnons, la qualité de commencer à prendre 19 ans, il commence à prendre pile galon dans le jeu, il commence à améliorer techniquement à 19 ans, il améliore techniquement, c'est sûr et certain que dans 2 ans qui va venir, nous avons une bonne joueuse et une belle joueuse qui est capable d'être une référence. Et nous souhaitons que Claire Constant vienne à partir du mois de mois de novembre, là, septembre, octobre, novembre, nous avons besoin de souhaiter que Claire Constant soit guéri. Catégoriquement, même si 6 mois, elle ne doit pas être en fin de bon, nous avons souhaité qu'elle soit guérie pour nous capables. Pendant ma parole avec la sélection, la majorité joueuse en l'air, il y a parti, il a gagné, il a déplacé pour aller dans le pays Australie, côté où elle continue préparation, et préparation ça a continué, et il a même gagné pour jouer le 15 contre une équipe, une sélection à perte pour être capable de peaufiner, fini, comme tu as dit ça, préparation 22 joueuses. Jusqu'à présent, c'est 22. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça de passé. Et puis, hier soir, tu as gagné deux matchs qui t'ont joué. C'était Carter qui t'a joué face avec équipe ça, qui c'est l'équipe Panama. Panama qui a pris un bel arsenal dans le jeu là. Panama qui a pris une belle production dans le jeu là. Et football a développé sérieusement. Il y a une belle ligue là, Kayo. Et il y a une ligue qui est capable 7e ou 8e dans la zone là. Nous-mêmes, nous n'est pas 14e parce que nous presque pas joué. Légua et hier soir, ils font un bel match. Gagné Ismaël Dias qui font triplé dans 9 minutes. Messieurs, et qui crase l'équipe Qatar 4-0. Et puis, et Mexique qui bat 2-0. Équipe Costa Rica. Costa Rica tape un bel football. Malheureusement, ils n'ont pas excellent, comme tu as dit ça, au niveau d'attaque. Pas excellent, pas propus, comme tu as dit, ça, pas franche tout. Et mais ils ont fait un bel match, ils ont perdu deux vainqueurs qui déjà là, capitaine États-Unis. Eh bien, vainqueur États-Unis, États-Unis va jouer dans 5 là, États-Unis va jouer face avec Canada, vainqueur ça va jouer face avec l'équipe Panama. C'est que Panama capable une équipe potentielle pour champion. Et puis l'autre match qu'a joué plus tard, c'est l'équipe ça en parlant de équipe Jamaïque là, les mêmes qui gagnent pour les jouer l'autre demi-finale, l'autre quart de finale là. Jamaïque tout qui est capable et contre Guatemala à partir de 7h, il y a 5h l'autre match pour la jouer, après il y a un match à partir de 5h et 7h, mais le de 7h30, c'est à 8h que le match la jouer quand même. Parce que au niveau de l'homme, toujours dit ça, zone CONCACAF, nous pas respecter ça. Et bien, qu'est-ce qu'on a besoin? Restez connecté à la chaîne là pour plus d'informations.